Il a été donc agressé et il a reçu ses blessures au cours de la nuit, donc du 17, et il a été blessé au bas-ventre. On a pu le déplacer pendant la nuit de Kutuku jusqu'à Tchibo. Et à partir de Tchibo, hier matin très tôt, le ministre de la Sécurité s'est arrangé et puis un avion de la base aérienne est allé le chercher. Aux environs de 9h45, il était déjà au niveau de Ouagadougou et dès 10h30, il était au niveau de l'hôpital Yalagadougou. Sur place, les médecins se sont bien occupés de lui et l'intervention a pu avoir lieu la nuit au cours de 22h, 22h30. Ce matin, il présentait une bonne mine et tous les indicateurs apparemment étaient au vert selon ce que les médecins nous ont donné comme information. Nous avons bonne foi qu'il va bien se remettre et que les choses iront pour le meilleur dans le meilleur des mondes possibles.